pour moi, ce n'est pas du tout évident de faire ce type de manœuvre, mais je vais essayer de le faire correctement. Alors, bonsoir tout le monde. Permettez-moi de vous dire que c'est un honneur et une fierté pour moi d'ouvrir cette cérémonie des vœux. L'année 2023 a commencé en prenant la suite d'une année 2022 difficile, dramatique même, pour des centaines de milliers de gens qui sont tombés dans la pauvreté, l'abandon ou l'exclusion. Une année difficile donc, mais pleine d'espoir, car partout où la pauvreté augmente, où la cohésion et les solidarités sont attaquées, partout, la lutte continue, les germes de l'égalité et de la justice poussent en silence, la plupart du temps, et parfois de manière éclatante, comme c'est le cas par exemple à la prière. Mes premiers vœux, cela ne vous étonnera pas, sont donc des vœux de lutte, d'unité et de victoire. Ils s'adressent à l'ensemble de nos citoyens, bien sûr, mais aussi à celles et ceux qui vivent dans notre pays, sans que nos institutions ne les reconnaissent. Ils s'adressent aussi à notre camp, ces femmes et ces hommes qui, au quotidien, œuvrent pour notre ville, notre pays, et plus largement, pour l'humain et le vivant. Ces syndicalistes, ces associations, ces travailleurs sociaux, ces militants et militantes politiques, ces élus et l'ensemble de leurs équipes. Des vœux de lutte, vous l'aurez bien compris, parce que ce sont les nôtres, le peuple, qui subit de plein fouet la politique antisociale, anti-écologique, antidémocratique de Macron. Ce sont nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, qu'ils enferment à travers leurs discours et leurs réformes dans un monde qui a déjà fait preuve de ses échecs et du malheur qu'il répand. En tant qu'élu des quartiers nord, en tant qu'élu d'un territoire où, plus qu'ailleurs, l'abandon de l'État est généralisé, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans la sûreté, dans la justice, dans le monde associatif, dans les logements, dans le transport, mon devoir est de témoigner devant vous l'incroyable force déployée dans toutes les luttes locales. Ces résistances menées par des hommes et des femmes, le plus souvent des femmes d'ailleurs, qui n'attendent rien pour elles et qui ne lâcheront jamais, jamais rien pour les autres. Parmi elles, le collectif des familles de victimes, que je voudrais solennellement remercier et féliciter pour leur combat. Comment vous expliquer la force que vous m'avez transmise et à vous, dans la vie, un jour, suite au meurtre d'un membre de votre famille, vous avez trouvé l'humanité nécessaire pour renaître et transformer la peine et la haine en espoir. Je vous demande à toutes et tous, amis et camarades, de les re-applaudir. Cela nous oblige à garder la tête haute, le poing levé. Cela nous oblige à nous tenir à distance de toute forme de civisme. Le civisme. Ensuite, des vœux d'unité. L'unité de la gauche politique avec la NUPES. L'unité populaire pour la taxation des super-profits contre la réforme des retraites. L'unité du peuple dans une période où la promesse républicaine semble rompue et donc à reconstruire en urgence. Enfin, des vœux de réussite. La réussite de notre projet, celui de faire gagner l'avenir en commun, qui passera par notre infatigable capacité à, comme le disait Jean-Luc Mélenchon, ne pas laisser le pessimisme du constat paralyser l'optimisme de l'action. La réussite, évidemment, dans notre combat contre la Macronie, son monde et sa réforme des retraites, parce qu'il se fiche de fracturer le peuple,
parce qu'il pense que la République, parce qu'il pense la République comme un jouet entre ses mains. Macron a décidé de lancer cette réforme injuste et brutale, malgré l'opposition de 8 Français sur 10. Macron veut, dès le début de son deuxième mandat, faire ce qu'il n'a pas réussi à faire pendant son premier. Casser une bonne fois pour toutes. L'un des plus brillants exemples de la République sociale, la retraite. Souvenez-vous, la dernière fois, il voulait détruire le système de retraite par répartition et passer à une retraite par point. Aujourd'hui, il jure que c'est pour sauver notre système de répartition, par répartition. Celui-là même qui voulait la détruire. Qu'il est obligé de nous faire travailler plus longtemps. Pardonnez-moi. Deux mandats différents, deux versions différentes, mais toujours cette même promesse de faire payer aux plus précaires, aux plus fragiles, la note de sa politique. Toujours cette même méthode du mensonge pour nous faire avaler des reculs sociaux. Le combat politique sur la question des retraites est la mère des batailles. Parce qu'aujourd'hui, pour de très nombreux retraités, après le travail, c'est la misère. Notre système doit être réformé. C'est même une urgence. Nous l'avons entendu, défendu pendant la campagne présidentielle, pendant les législatives, et nous continuerons chaque jour à le faire. La retraite à 60 ans. La retraite minimum au niveau du SMIC. Travailler tous pour tous cotiser. Augmenter les salaires pour augmenter les cotisations. Augmenter les salaires pour augmenter les retraites. Pour faire vivre notre système de solidarité, il n'y a qu'un chemin, une société plus juste. Tout ce qu'on vous propose est bien plus simple, bien plus sérieux, bien plus sensé que leur politique de petits comptables. Apparemment, il faut travailler plus longtemps. Et promis, après le système sera plus à l'équilibre. J'ai l'impression d'avoir entendu ce mensonge toute ma vie. Tous les 4 ans, ils reviennent avec la même arrogance, le même mépris, chanter ce refrain pour culpabiliser les gens. Si vous leur tendez la main, ils vous prennent le bras. Autrement dit, si vous faites les moutons, vous serez tendus. Amis, camarades, s'il y a bien une chose que j'ai apprise durant 6 mois que je suis député, et que je peux vous partager sans aucun doute, c'est que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Ils me font penser à des enfants à qui on demanderait de rentrer des carrés dans des ronds et qui, à aucun moment, ne se rendraient compte que c'est impossible. Demander à des ouvriers, des infirmières, des infirmiers, des enseignants, des postiers, des travailleurs sociaux de travailler jusqu'à 64, 65, 66, 67 ans pour toucher une retraite au niveau du seuil de pauvreté, voire même d'être mort avant. La preuve de leur mépris du peuple. Ce qui compte pour eux, c'est le chiffre. Ce qui compte pour nous, c'est l'humain. En tant que parlementaire et citoyenne des quartiers nord de Marseille, je rencontre tous les jours des retraités qui vivent dans la misère. Un exemple rapide, un homme de 81 ans m'interpelle au bar des Moustiers à l'Estac et me dit « Est-ce normal à mon âge de devoir vivre avec un découvert chaque mois, assommé de frais bancaires et devoir partir chaque semaine me servir à la banque alimentaire. J'ai travaillé toute ma vie pour la France et la France m'a abandonné. Gilbert, nous sommes là et nous lutterons de toutes nos forces, par tous les moyens, pour non seulement faire repousser cette réforme, mais pour instaurer les retraites minimum au niveau du SMIC pour toutes et pour tous. C'est une honte dans ce pays, qui est la 6e puissance économique du monde, dans un pays où chaque année des milliards et des dizaines de milliards d'euros sont captés par une poignée de personnes au détriment de nos retraités. Ce braquage légalisé par une majorité politique, ce n'est pas la nôtre, aux ordres des plus riches, nous coûte notre capacité à organiser un système qui permette à nos anciens de profiter de leurs jours, de leur vieux jour, après une longue et difficile vie de travail. Amis, camarades, à l'heure d'entrer dans la lutte, souvenez-vous de ce qui disait le grand Jaurès. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches
et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. En tant qu'enfant du quartier nord, il est impossible pour moi de ne pas évoquer Marseille, ma terre natale. Après 40 ans d'inertie, de trahison qui ont conduit notre magnifique ville, la belle France, la plus belle de France, pardonnez-moi. Mais c'est vrai, Marseille, c'est la France. Ouais. Déjà, quand on est dans les quartiers nord, quand on dit je vais aller en ville, on dit je vais à Marseille. Donc... C'est vrai. Alors, je reprends ma phrase pour que vous compreniez bien. Après 40 ans d'inertie, de trahison, qui ont conduit notre magnifique ville, la plus belle de France, dans un état indigne, après 40 ans de droite qui ont laissé nos quartiers à l'abandon, qui ont creusé une inégalité lourde, structurelle, entre le Nord et le Sud, la nouvelle majorité municipale entreprend un travail qui sera long, difficile, mais indispensable. Cher ami, cher Benoît, je ne sais pas s'il est arrivé, comme vous le savez, nous ne sommes pas partie prenante de cette majorité, cependant, et je le dis avec force, en tant que première force politique de Marseille, notre responsabilité est de travailler dès maintenant à la reconstruction de la ville, à l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Et je le dis clairement, nous avons les mêmes objectifs. Nous sommes donc des partenaires déterminés, exigeants, mais bienveillants. Des partenaires qui privilégient en toutes circonstances l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais à la tambouille politicienne. Et je forme donc le vœu que cette année 2023 soit aussi celle de l'unité de la gauche marseillaise face à tous ces défis, face à tous ces combats que nous allons mener ensemble. Je veux vous partager pour conclure ma détermination et citer cet appel à la lutte du camarade Durruti que j'ai découvert récemment à travers mes lectures. Nous n'avons pas peur des ruines car nous portons dans nos cœurs un monde nouveau. Vive l'unité, vive la lutte et bientôt, vive l'avenir en commun. Merci beaucoup.